Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Pour l'audience générale, le Saint-Père profite de ce temps magnifique sur la ville éternelle pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience dans quelques minutes.
Parmi les prochains rendez-vous du Saint-Père à signaler vendredi prochain à 17h, vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre du Saint-Père avec les catéchistes. Et ensuite, dimanche prochain à 10h30, la Sainte Messe célébrée par le Saint-Père à l'occasion de la journée des catéchistes. Donc deux prochains rendez-vous avec le Saint-Père vendredi prochain à 17h et dimanche 29 à 10h30.
Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La paix soit avec vous. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Prendiamo. De la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Frères, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser.